Sketchup pour les débutants, l'outil colorier. L'outil colorier est symbolisé par cette icône. C'est un outil qui aura une importance capitale pour la réalisation de tous vos projets, car il va vous permettre de faire des rendus réalistes grâce aux couleurs et textures que vous pourrez appliquer à tous vos objets et modèles. Pour l'utiliser, dans un premier temps, je ne vais pas aborder toutes les possibilités de cet outil, car il y en a beaucoup. Mais par quelques exemples simples, essayez de vous démontrer son efficacité. Nous allons développer les principales fonctions avec en exemple ce vase que j'ai créé. C'est un groupe composé de trois éléments. Le socle, la vasque et le col. Je clique donc sur l'icône de cet outil. J'ai une fenêtre qui s'ouvre avec une palette proposant des couleurs. Chacune d'entre elles possède une référence. Ici, dans ce cadre, se trouve la dernière couleur utilisée dans le modèle. Il s'agit là de celle qui colore l'environnement du vase. J'ai donc ici sa référence que je retrouve là. Je peux donc maintenant choisir dans toutes ces couleurs de base celles qui me conviennent pour colorier ce vase. Je prends donc celle-ci pour le socle et le col. Et celle-ci pour la vasque. Donc je peux déjà, avec cette palette de couleurs de base, créer un grand nombre de copies de ce vase de différentes couleurs. Je reviens à mon modèle de base et j'ouvre ma palette. Là, en cliquant sur cet onglet intitulé « Dans le modèle », j'ouvre un second volet où se trouvent toutes les couleurs ou textures que j'ai utilisées pour cette création. Et on peut voir à ce niveau-là les trois couleurs présentes dans le modèle, revoir leurs références et éventuellement s'en servir à nouveau. Si je clique sur cet onglet « Créer une matière », j'accède à une roue chromatique. Si je clique sur le bleu, par exemple, j'ai cette couleur qui s'affiche dans ma fenêtre de choix. Et si j'actionne ce curseur, je vais pouvoir agir sur les nuances de cette couleur. Idem avec n'importe quelle couleur. Et dès que j'en ai choisi une nuance, je peux l'utiliser dans mon modèle. Si je clique sur cette fenêtre intitulée « Dans le modèle », je vais découvrir une série de propositions de textures. Certaines ne sont pas du tout appropriées pour ce modèle. Exemple celle-ci, où il est question d'aménagement paysager concernant des textures de gravier, de gazon, de clôture, etc. Par contre, si je choisis les textures de pierre, et par exemple cette couleur de granit, je peux avoir un rendu intéressant. Cette version en verre fumé n'est pas mal non plus.
Je peux toujours, avec cet outil et les couleurs et textures à ma disposition, remplir par exemple ce vase d'eau. Ces quelques exemples démontrent une infime partie des possibilités de cet outil. Nous verrons plus tard comment créer et importer des couleurs, textures et images de toutes sortes qui permettront de réaliser des modèles avec des rendus très réalistes. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison-overblog.com. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.